aucun patient n'a été admis pour des blessures graves dans l'un des 35 hôpitaux de la HEP, assure l'établissement public. Depuis la veille, une rumeur évoque le cas d'un étudiant ou d'un migrant, gravement blessé à la tête, malgré le démenti de la police. Mis à jour le 21 avril 2018, 15.2.50 publié le 21 avril 2018, 15.2.16 après l'évacuation du site universitaire de Tolbiac, aucun blessé grave n'a été conduit dans les services de l'assistance publique hôpitaux de Paris, AFHP. Au lendemain de l'intervention de police menée dans la faculté parisienne, l'établissement public a diffusé un bref message sur Twitter, samedi 21 avril, afin de mettre fin aux rumeurs. La AFHP dément fermement les rumeurs selon lesquelles un blessé grave aurait été conduit dans l'un des services de la AFHP à la suite de l'évacuation de Diaz Tolbiac. https://t.co/t.co/bapinmuc@afp@21avril2018 La veille, la préfecture de police avait déjà assuré qu'aucun blessé grave qui puisse être en lien avec cette opération d'évacuation n'a été hospitalisé dans les services de réanimation. Après avoir vérifié auprès du service de sécurité de l'université, la direction de l'université Paris, une année également expliqué au HuffPost qu'il n'y avait pas eu de blessé grave. La rumeur évoque tantôt un étudiant ou un migrant gravement blessé à la tête après une chute, voire plongé dans le coma. Elle a continué de se répandre sur les réseaux sociaux, où circule un appel à rassemblement à 14h devant l'hôpital Cochin, où la victime présumée aurait été admise. Une source hospitalière a toutefois certifié à l'AFP qu'aucun patient correspondant au profil décrit, un jeune homme, blessé à la tête, n'avait été hospitalisé aux urgences ou en réanimation dans cet établissement vendredi. À lire aussi sujet associé aux réformes de l'université Société et Éducation.